Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Petit rappel avant de commencer, le pouvoir des archanges. Alors les archanges sont des anges supérieurs placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Leur nombre est bien varié en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes, n'est-ce pas, religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre? Les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent. Balance, eh bien c'est l'archange Jophiel, la beauté de Dieu. L'archange Jophiel est donc associé au signe de la balance. On le qualifie aussi, et assez étonnamment, d'ange le Feng Shui. Il vous aidera à mettre de la beauté dans votre vie, votre monde et votre esprit. Si vous vous sentez assailli par vos pensées, ce bel archange Jophiel pourra vous aider à faire le vide dans votre tête et à y voir plus clair. L'archange Jophiel est donc l'archange du second rayon ou rayon jaune doré, celui du savoir, de l'inspiration, de la sagesse, de la constance et de l'illumination. Ange de la connaissance, l'archange Jophiel nous enseigne à entrer en contact avec notre moi intérieur et à nous connecter à l'esprit du Créateur. Sa mission spéciale est d'assister tous les aspects de l'éducation et de l'apprentissage jusqu'à la réalisation artistique et bien de vos projets. Qui est l'archange Jophiel? Le nom Jophiel signifie « beauté de Dieu ». C'est l'archange de l'art et de la beauté. Cet ange était déjà présent dans le jardin d'Éden et il veilla sur la famille de Noé. Vous pouvez prier, invoquer l'archange Jophiel
lorsque vous avez besoin de plus de bonheur dans votre vie. L'archange Ophiel dépose en vous de bonnes énergies et pensées positives. Si vous vous sentez perturbé ou traversez un passage à vide, eh bien l'archange Ophiel est celui qu'il vous faut. Ses vertus sont la créativité, la grâce, la beauté, la détente et le loisir. Si vous êtes en manque de créativité artistique, eh bien, vous pouvez aussi faire appel à Ophiel. Il saura vous inspirer. Quel est son rôle dans la hiérarchie céleste? Eh bien, l'archange Ophiel est souvent décrit comme une créature divine, aussi vertueuse que compatissante. Il aide ainsi les hommes et les anges à prendre conscience de l'harmonie du monde à la fois terrestre et céleste. Il transmet également plusieurs vertus. Parmi ces dernières, on retrouve notamment l'ouverture d'esprit, la prise de conscience ou encore la liberté de penser. Il accompagne les êtres humains dans leur accomplissement personnel ainsi que dans leur quête de connaissances et de sagesse. Avec l'aide d'une poignée d'anges, n'est-ce pas, il aide également chaque être humain à élever sa conscience et à trouver le chemin de la paix et de la connaissance divine. On fait donc appel à lui pour avoir une pensée claire. Nommé saint patron des artistes, il les guide dans leurs projets en leur fournissant la créativité ainsi que l'inspiration nécessaire à leur œuvre. De par les qualités qui lui ont été confiées, l'archange Ophiel est également chargé de combattre l'étroitesse d'esprit ainsi que les mauvaises habitudes empêchant la rétention des connaissances telles que l'indiscipline, le manque de concentration ainsi que la paresse. Quelles sont les apparitions de l'archange Ophiel? Même si l'archange Ophiel n'est pas explicitement mentionné dans la Bible ou dans la Torah, n'est-ce pas, de nombreux experts spéculent sur son intervention dans diverses scènes emblématiques. En effet, il aurait été l'ange transmettant sa connaissance du monde céleste et terrestre à Adam. Celui ayant instruit Sem, Cham et Japhet, les trois fils de Noé. La créature céleste chargée d'expulser Adam et Ève du jardin d'Éden suite au vol du fruit défendu. Ceci fait de lui le gardien de l'arbre, de la sagesse et de la connaissance. Le protecteur de la famille de Noé lors du déluge dans l'Ancien Testament. L'allié de l'archange Saint-Michel au cours de la féroce bataille contre les anges déchus dirigés par Lucifer. Dans la révélation épigraphique de Moïse, l'archange Ophiel porte également le nom de Dina. Il est décrit comme un ange du septième ciel ainsi qu'un gardien kabbalistique important de la Torah. Il aurait enseigné 70 langues aux âmes des créatures célestes formées à l'aube de la création. Il aurait été nommé grand chef angélique en charge de 53 légions d'anges. Son devoir consistait à veiller sur les lectures de la Torah le jour du sabbat. Il existe également de multiples références
Interprétation et mention de cet archange dans les livres de la Kabbale, n'est-ce pas? Les traditions juives populaires, ainsi que les livres récents relatifs à la tradition du Nouvel Âge. Pourquoi l'invoquer? Eh bien, l'archange Jophiel est sollicité dans les prières afin de soigner certaines douleurs physiques comme celles liées au pancréas, plexus solaire, le foie, partie centrale de l'estomac, le système nerveux, système digestif, problème de peau, articulation. L'archange est également capable d'agir sur le mental et le psychique. Il peut notamment améliorer l'agilité mentale, l'étude d'un sujet spécifique, la concentration, l'estime de soi, le bien-être, la communication des idées, la timidité. Enfin, ce bel archange Jophiel aide ceux qui le sollicitent à se recentrer sur eux-mêmes après un trouble émotionnel plus ou moins violent. Il accompagne notamment les humains dans cette quête de connaissance, de sagesse et de paix intérieure, en nous mettant directement en contact avec le Créateur lui-même. La pierre qui lui est associée, est la rhodonite. Prière à ce bel archange Jophiel. Glorieux archange Saint Jophiel, aide-moi à atteindre la sagesse et l'illumination. Illustre archange Saint Jophiel, j'implore votre garde. Continue ainsi que le privilège d'effectuer de sages décisions. Enveloppe-moi de ta lueur ardente et rends-moi digne de tes bénédictions d'intuition correcte et de perception raffinée. Illumine mon chemin spirituel et dissipe, le brouillard du doute et de l'ignorance de mon esprit. Mon protecteur, accorde-moi la grâce que je te demande. Si cela convient pour le bien de mon âme et du monde entier, accompagne-moi et guide tous mes pas jusqu'à atteindre la vie éternelle et l'amour divin. Cher archange Jophiel, entre en moi. Entoure-moi de ta lumière jaune, protège-moi de tous les fléaux, les maladies, les virus, les accidents, les traumatismes, les chocs émotionnels. Permets-moi de ne pas être atteint par les mauvaises choses du monde, les tourments, les doutes, les blocages, les conflits, les manipulations, les tromperies, les perversités, afin que je puisse m'élever dans la lumière et l'amour. Fais que j'agisse avec sagesse, bienveillance, discernement immédiat, et que je puisse être à l'écoute de mon intuition. Donne-moi la force et le courage de vaincre le mal et de tourner mon cœur vers notre Créateur qui veille sur moi. Je te remercie de protéger ma famille, mes proches, tous ceux qui ont besoin d'aide et de soutien. Je les remets entre tes mains pour que tu puisses prendre soin d'eux. Gratitude à toi, archange Jophiel, rayon de lumière jaune qui perce mon âme de bonheur. Je suis bénie
et je reçois ta grâce comme une faveur des cieux. Merci avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier. Je vous remercie de votre écoute.